prisonnier. C'est une prisonnière maintenant. Surtout qu'elle est partie. C'est violent. Hein. À partir du moment où elle n'a pas souffert, elle n'a pas souffert, assurez-vous. Elle n'a... Non, elle n'a pas souffert. Elle n'a rien senti. Jean-Marc ? Oui, il est là. Regarde avec un regard maintenant, non pas de haine, mais un peu d'angoisse. Là, c'est le regard du deuxième round. Là. Tiens, oui, c'est ça. C'est le... Mais d'ailleurs, on va passer directement, tu sais quoi, au moment où on te remet ça. Généralement, enfin, d'habitude, c'est généralement des choses beaucoup plus brillantes. Ici, avec cet objet, eh bien, tu vas pouvoir faire des étincelles, mon cher Jean-Marc, et une échelle. Je ne t'en dis pas plus. Bonne chance. Allez, let's go. Allez, Jean-Marc, on est avec moi. Alors, la clé se trouve au plafond. Regardez devant lui, il y a des barreaux. Il faut qu'il reconstitue l'échelle infernale. Ah oui. Il faut que tu reconstitues l'échelle, en fait. Hein ? En fait, il faut que tu reconstitues l'échelle. Tu sais, tu montes sur les barreaux là, les premiers qui sont devant toi. Tu prends même ceux qui sont au sol là, voilà. Il faut que tu les mettes dans les autres, dans les trous. Pour reformer l'échelle en fait, pour que tu puisses monter. Et en fait, au fur et à mesure que tu montes, il faut que tu reprennes ceux d'en bas pour pouvoir les mettre au-dessus de toi. T'as déjà une mission toi ? Ouais. J'ai un fan. C'est pour ça. Et c'est vrai. Ah ouais, ok. T'as compris ? Allez, c'est bien. Ouais. Garde bien la sécurité sur toi, entre ses bras, pour pas se faire mal. Mais il faut y aller, là. Il a perdu un petit peu de temps sur le départ. On s'en fout si tu transpires. On sera en raccord après. Allez, voilà, assure bien les barreaux, surtout. Voilà. Assure, mais place-les bien, parce que c'est super important, parce que sinon, ils vont glisser et tu vas tomber. Et il faut commencer à grimper, là. Voilà. Vas-y. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. Place celui-là et puis tu prends celui qui est en dessous. Une fois qu'il l'a récupéré, voilà. C'est bon. Place-le. Okay. Une fois qu'il est bien placé, tu prends celui qui est en dessous de tes pieds. Voilà, monte d'un cran. Monte d'un cran d'abord. Allez, il faut que tu montes. Tu stresses, mon fifi. Super. Regardez, il en a d'autres sur la droite, des barreaux, ouais, il peut s'en servir. Sur la droite, hein, t'en as. Si tu veux, j'ai pas vu. Voilà, il pose celui-là, peut-être. Et il utilise les autres barreaux. À droite, c'est des barreaux. Voilà, ouais, c'est bien, ouais. Comme ça, tu t'appuies dessus. Et puis sur ta droite, t'as des barreaux. Il est prisonnier s'il sort pas de là ? Non, il sera pas prisonnier, faut qu'on le fasse sortir à tête. Allez, t'y es presque, allez. Faut y aller vite maintenant, Jean-Marc. Je sais que c'est facile à dire. Allez, le tout pour le tout, là, tu lui dis, faut le... Ouais, le tout pour le tout, là. Allez, jette les derniers temps, là. Il n'y a plus beaucoup de temps, hein. Il n'y a plus beaucoup de temps, là. Faut juste qu'il arrache la clé. Donc, vas-y, limite à la fin, si tu peux sauter pour l'arracher, vas-y, hein. Il n'y a pas besoin de passer. Non, on va le faire sortir, moi, j'y crois pas. Faut bientôt sortir, là. J'y crois pas, faites-le sortir. Sors, Jean-Marc. Qui se lâche, Lâche, Jean-Marc. Il se détache et il sort. Faut qu'il dépasse sa sécurité. Tu dépasses la sécurité. Voilà. Allez, sors. Je vais regarder un petit peu de temps pour ça, on sait jamais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile là pour toi? Parce que t'as mis vraiment du temps là au départ. Ouais, bah c'est que ça glisse en fin de compte et faut s'agripper. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident. Bon. Pas du tout. Je suis désolé, vraiment. Mais ne sois pas désolé, vous donnez du mal et c'est ça qu'il faut. Passe-partout, on a combien de clés? Tu nous le rappelles? 3 clés, ça suffit pas. Une quatrième et une cinquième, c'est un minimum. Voilà. On y retourne. On fait un peu de surplace.